Le patron. Le boss. Dépêchez-vous, Zurich. Non, non, ne coupe pas, mon petit cheveu jeune homme. Tourcoing n'a plus absolument aucune touche absorbante. Alors j'ai pensé, je me suis demandé, j'ai... Et alors vous êtes allé au café? Oui. Bon, bah maintenant faites partir un camion spécial. Vous êtes bien, monsieur Pasquier? Pasquier. Oui, de toute façon, j'avais... On m'a dit que vous étiez là à 9h. Alors, je suis venu à 9h. Oui, mais pourquoi? Oui, ben, je suis dessinateur. Je suis dessinateur et je viens de mettre la dernière main à un modèle d'inventeuse qui, je crois, va faire date dans l'histoire de la layette. Oui, je vous préviens tout de suite, je suis très chouette. Très chouette. En ce qui concerne les éventuelles modifications que vous pourriez faire à mon modèle, je ne le supporterai pas. Je ne supporterai pas, non, non. Voilà. Et en ce qui concerne la publicité, les ventes à l'étranger, tout ça, je vous laisse vous en occuper parce que moi, je ne peux pas. On peut voir quand même, on peut peut-être voir. Oui, bien sûr, voilà. Ah, c'est voilà. Ça. C'est ah, pas joli. Ah, c'est ça. C'est pas joli, ça. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Non, bah imaginez que vous en ayez un et qu'un jour, revêtu de cette barbeteuse, votre enfant crie popo. Ah, popo. Popo, qu'est-ce que vous faites? Bien, je l'enlève. Oui, vous l'enlevez 2, oui. 4, 6, 8, oui. 10, 12, 14, 16, 17 boutons. Oui, bah oui, 17. Oui. Bah quoi, 17, 17, c'est pas la rougeole? Non, c'est pas la rougeole, mais quand vous arrivez au 17e, l'irréparable s'est accompli dans votre barbeteuse. Alors voilà un enfant souillé, une mère furieuse. Mais ça, nous ne le voulons pas, Baby Service. Nous ne le voulons pas à Baby Service. Au revoir, monsieur. Si vous n'en voulez pas de ma barbeteuse d'avant-garde, je vous laisse à votre compte.